mais il n'est pas homme à renoncer à son palais. Je vais construire une échelle, c'est plus simple. Les pierres, je les monterai sur mon dos. Il abat alors un arbre qui tombe sur son pied. Dommage. Il le scie en deux. J'ai pas compris l'affaire. Et s'écorche le bras, même pas mal. Il fait des trous dedans, il perce son habit, tant pis. Il découpe des barreaux et se fait un pinceau. Ça commence à faire beaucoup. Il fixe les barreaux, mais l'échelle ne tient pas debout. C'en est trop, le prince n'a pas l'habitude de rater. Il se met à pleurer. Il est désespéré. T'y vas ? Lion. Ah, je crois que tu vas le faire. C'est sans compter sur la princesse, celle aux jolies lunettes. Cachée, elle a tout observé. Un prince aussi travailleur et aussi beau. Cette princesse. Ça ne s'oublie pas de sitôt. Elle s'approche sur la pointe des pieds. Le prince est catastrophé. Pleurer devant une princesse, ça ne se fait pas. Mais il ne peut pas s'arrêter. Alors la princesse lui tend un paquet. Un cadeau, tu vois, c'est un cadeau. C'est un cadeau, eh oui. Il est magnifique, très gros, avec du papier argenté. Le prince... Et tu peux refaire ça. Le prince reste interdit. Comment c'est un... Comment c'est un prince aussi peu comme il faut que la princesse offre un cadeau. Mais il n'est plus en état de refuser. Alors il l'ouvre. Il adore le bruit du papier qu'on défait. Le scintillement des frisottis dorés. Et à l'intérieur, qu'y a-t-il ? Un t-shirt jaune. Ah, absolument. Ah, on va découvrir ça. À l'intérieur, un superbe boulier. Un boulier ? C'est quoi ça, un boulier ? Un boulier, d'accord. Pour apprendre à compter. Pour trouver le résultat du calcul de la poulie. Bah oui. Mais c'est bien sûr. Mais oui, évidemment. Comme ça, vous pourrez vous débrouiller tout seul, déclare la princesse. Tout seul ? Surtout pas. Le prince vient de trouver bien plus précieux que ça. Il vient de découvrir le plaisir qu'il y a à... Sapristi ! Pourvu que la princesse dise oui. Il tombe amoureux. Opé, qu'est-ce qui se passe ? Il est amoureux. Où c'est là ? Ah, c'est ça ? Le prince rougit, attrape sa main et demande « Princesse, voulez-vous bien m'aider à construire ce palais ?» Mais bien sûr. La princesse est ravie, bien sûr. Elle dit oui. Voilà. C'est fini. Ça finit comme ça. Ça finit comme ça. Non, mais moi, je comprends pas. Je comprends plus les contes pour enfants, vraiment. C'est ça. Elle dit oui, en fait il a compris. Alors, est-ce que t'as bien lu, Nel ? Alors, est-ce que t'as bien compris ce qu'on a lu ? Moi j'ai envie de savoir si. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors, tu vas me dire vrai ou faux, ok ? Ouais. Le prince a oublié de rapporter des épices exotiques. Non, il a pas oublié. Ah ouais ? L'Afrique, il les a ramenés. Ah ! Je l'ai suivi aussi. Et est-ce que le prince a délivré la fille de la fée Lola ? Oui. Oui. Sans problème. Non, Lily. Mais on t'a pas dit qui ? On t'a demandé s'il a délivré la fille de la fée Lola. C'est la fée Lola ou pas ? T'es sûr ? T'es pas sûr ? T'es sûr ? Moi j'ai suivi. Est-ce qu'il aime tout faire seul ? Non. Oui. Bah, oui, oui, oui. Au début un peu quand même. Hein. Au début, hein. Fabriquer une poulie c'est trop facile. Quoi ? Fabriquer une poulie, c'est trop facile. Non, c'est pas facile. Pourquoi ? Les calculs. Cassé. Et la princesse, elle offre au prince un superbe boulier. Oui. Ah bon ? Pour quoi faire ? Compter. Compter quoi ? Les calculs. Pourquoi ? Pour faire la boulie. Ah, d'accord. Moi, je décerne le prix de la bonne lecture à Nel. À toi, oh, princesse. Alors, est-ce que l'histoire était sympa ? Ouais. C'est bien, je suis fière de toi, moi. Elle retient tout. Attends, je vais te laisser.